1, 2, bonjour tout le monde. Non, je suis pas en train de galérer à lancer le jeu. Ça, non, j'ai fait tous les réglages à l'avance, tout ça. C'est juste que c'est pas facile. Coucou Keltris. Tiens, un peu de lumière aussi. Hop, mieux. Ce moment gênant où quand tu règles le jeu, tu dis ouh putain, ça va déconner. Wow. Toujours un stream très opti. Ah ouais, mais d'habitude je lance le jeu avant. Et le problème c'est qu'il a l'air d'être vraiment optimisé avec le cul le jeu. C'est-à-dire que quand je fais un alt tab, il y a tout qui pète, toutes mes fenêtres elles dégagent. Le son a l'air, du jeu a l'air extrêmement fort, je vais essayer de vous baisser ça. Mais ouais, ça a l'air on sent que le streamer est pas prêt quoi. Il y a des streams comme ça on sent que ça va pas, voyez. Alors pour vous, ça veut dire quoi high end PC et low end PC? Parce que moi je me suis dit tout simplement que ça c'était pour la grosse config. Et ça pour la petite, vous voyez. Après, je dis ça, c'est peut-être des conneries. PC nul ou PC bon? Donc, aïe, c'est pour dire qu'il est bien, quoi. Et coucou, monsieur F. Je vais encore baisser le son du jeu. Parce que le problème, c'est que là, comme je baisse sur Streamlabs, dès qu'il y aura une alerte, on l'entendra pas. Parce que là, c'est juste un bruit de fond. À mon avis, vous l'entendez déjà bien assez fort. Du coup, on va prendre high-end. C'est rigolo, c'est que même en high ça a l'air dégueulasse. Même en high ça a l'air dégueulasse. Ça me plaît bien. Donc le jeu s'appelle Investigator et coucou Carolus. Option. La V-Sync, oui. La résolution full screen, on va pas toucher. Bon bah on va juste mettre la V-Sync quoi. Coucou à tous ceux qui rejoignent. Non, je voulais appuyer sur main menu en fait. Bah écoutez, je pense que... Yo Zargulov, je pense que des fois, dans la vie, il faut se lancer, quoi. Donc la seule chose que je sais, c'est que ça se passe dans un univers où il y a eu des cataclysmes climatiques. Je sais pas s'il y a une... La vache, elle est grosse, l'araignée. Tu vois une araignée? Quoi? Dans les commentaires du jeu, j'ai vu que ça parlait d'arachnophobie. Où est-ce que t'as vu une araignée? Quand j'étais dans les résolutions? Non. Et je déteste les araignées. Ah oui, là! Ah merde! Je l'ai pas vu. Après, si je vois pas les trucs qui sont censés faire peur, ça va aller. Et en fait, si j'ai bien compris, le principe des niveaux, c'est d'avoir des changements climatiques... Bon, c'est un jeu russe, hein, vous l'avez deviné. Des changements climatiques selon les niveaux. J'espère qu'il y a une cohérence, quelque chose à suivre, une histoire, mais je suis pas trop sûr. On va voir, c'est vraiment de la découverte. Bah tu sais Zargulov, après tu fais comme tu veux évidemment, hein, mais moi je flippe des araignées, mais je suis là quoi. One level, tout le 10 levels. Bon bah il y a 10 levels. Au poste d'appuyer sur le 1. J'ai pas configuré de touche, rien du tout, alors j'espère que c'est pas trop merdique. Si je dis pas de bêtises, c'est un type tout seul qui fait ses jeux. Je crois. Hein. Allez, pas. Là, vous arrivez au tout début. Hein. Et bonsoir! Vous arrivez, je viens de lancer le premier niveau, on n'a aucun élément de lore. Alors, merci pour le raid, Coquillette, Bingalo, Lokimol, bonsoir Zepi, bonsoir Ormac, bonsoir Terrestrine, bonsoir Abby, Recoquillette, bonsoir, bonsoir Flouchi Flouche, ah, j'ai plus de souffle, bonsoir The Plum Violet, des animaux, oh non, merci Abby pour le follow.
J'espère que pour avancer, c'est mapé sur haut. Homo sapiens. Je sais pas, c'est un jeu russe. Homo sapiens. Homo sapiens. Homo. Et bonsoir Cadaveric, bonsoir le beau Rémi. Erreur Ramasso. T'as lancé le raid chez Coquille, t'as eu la notif de mon live, d'accord. Écoute, merci beaucoup pour le raid, double raid quasiment. Donc, on est en Russie. Enfin non, je sais même pas si on est en Russie, mais les développeurs sont russes. On est dans un univers où il y a eu des cataclysmes climatiques et là, vous avez vu autant l'histoire que moi. Même peut-être plus parce que moi, je lisais le chat. Et c'est un jeu développé par un type tout seul. Et du coup, je suis un peu inquiet. Alors, c'est un jeu qui est supposé être aventure horreur. Donc si vous aimez pas les jeux d'horreur, je vous préviens. J'ai aucune idée à quel niveau ça va être horrible. Moi, je suis vraiment... Je suis vraiment trouillard en général dans les jeux, donc j'espère que ça va pas faire trop flipper, mais je le vois mieux comme un simulateur de marche. Le attention, les oreilles qui pètent. Couchez-vous ! Accouchez-vous ! Et merci Romasso pour le resub. Qu'est-ce que vous croyez qu'on est ? J'ai oublié de valider. Des animaux ? Allez, des alertes partout ! Qu'est-ce que vous êtes ? Homo sapiens. Vous avez raison. Homo sapiens. Coucou Yoichi. Je sais pas les bots Twitch. Romaléo. Est-ce que j'ai raté des gens? Je suis désolé si j'ai raté des gens. Qu'est-ce que je fous sur le bateau? Des animaux. Qu'est-ce que vous êtes? Mince. Merci Snozy pour le follow et merci le beau Rémi pour le follow. Homo sapiens. Ça parle russe. Mon nom est Tom. Zut, je suis un détective, ok. Ah, je dérive d'une maison à l'autre et je cherche de la nourriture, un endroit pour dormir. Ah, je suis récemment arrivé dans cette zone militaire abandonnée, ce qui me paraît un endroit parfaitement safe. Je vais avoir mes 1000, ok. Oui, c'est clair, 10 minutes de stream, 75 personnes, c'est pas tous les jours. Il fait plus froid tous les jours, mais mon seul espoir, c'est ce bunker. Alors j'ai pas d'autre choix que d'aller là. Ah, c'est ça que tu parlais de bot Twitch, Yoichi, mais j'avais même pas compris. Mais non, c'est grâce au raid de Coqui. Alors j'ai besoin de trouver un endroit où je peux me réchauffer et me reposer pour continuer mon voyage. Il est 16h30 et il y a de la pluie, c'est plus 10. Oh, ça c'est quoi? C'est un subgift? Attendez, je vais remettre l'alerte bien. Parce que là, il n'y a pas eu les noms. Je la remets. Qu'est-ce que vous croyez qu'on est? Il y a une autre alerte entre deux. Merci TDC Torres, TDC Thor, pour le follow. Et bienvenue. Vous avez raison. Homo sapiens. Homo sapiens. Et merci pour le follow. Et merci Romasso pour le subgift. Et bonjour Gazig. Oh, j'espère que je rate pas trop de monde. Je m'excuse pour ceux que je rate. Bonjour à tous, on va dire entre deux. Vous arrivez, vous n'êtes même pas chez vous. Vous vous pointez avec trois quarts d'heure de retard, pas bonjour, pas merci. Vous filez tout droit au frigo, vous prenez la dernière bière. Je me promène virtuellement dans le nord. Non, c'est pas virtuel là. Actuellement, j'ai mis un casque sur un de mes employés. Hein, et effectivement, là on est au Touquet, vous voyez. Là, c'est le Touquet. Et on cherche la maison du président. Quoi? Ah, je suis trempé jusqu'à la peau. Je suis dehors depuis trop longtemps, je pourrais mourir de froid. Ça arrive. Bah Yoichi, je dirais ce que j'en pense. Ouais, enfin, moi j'en parlais au fur et à mesure que je stream. LB Moss, left button. Bah voilà un abri pour la nuit. En plus c'est super propre. Elle est où la baraque à frites? Bah justement là, il y a eu un accident de friture. Ah, des cages à homards vides, hein. C'est pas très intéressant. J'ai raté personne, je crois, c'est bon dans les alertes. Je crois que c'est bon. Allez, poissons. Voilà, donc ça serait bien de pêcher ici, super. Alors je sais même pas ce que c'est l'objectif du jeu. Quoi ça? Un petit poisson?
Ah, c'est les boutons. Ça peut aider. On peut plus leur peinard et coucou baraque à frites. Alors, bouton 2, zoomer, ok. C'est crouch, ça marche. Shift run. Ah ouais, sauf que j'ai fait alt shift là. Ok, shift run, ouais, j'écoute. Space jump. Ouais, il y a une latence horrible pour le saut. C'est un truc de malade. Il y a un trou là dans le toit, ouais, non, c'est normal. Bouton 1 de la souris. Ah, là je comprends mieux. Eyeball, conquer, mais. Ouais. C'est vachement plus facile à dire bouton gauche souris en russe quand même. Écureuil. Bon bah on va chercher des trucs à faire hein. Il nous a dit le seul endroit pour survivre c'est le bunker. Vous allez pas me faire peur avec un éclair. Alors je flippe pour rien, souvent je dis j'ai pas peur de ça et puis après... après c'est la panique mais... Donc je sais pas vraiment ce que c'est le but du jeu. Hein. Les écureuils ce sont les rois de Lila, spoilez pas même... même si c'est pas un jeu qui marquera l'histoire à mon avis, spoilez pas trop. Mais je dis ça, j'ai vu des screens avec des écureuils, donc j'imagine que oui, il y a des écureuils. Forcément, quand j'ai choisi le jeu, je me suis un peu renseigné, mais... Faut trouver des trucs ? Est-ce qu'on peut prendre de la palette ? En même temps, c'est pas de l'Europe, hein. Ça vaut rien, ça. Ça c'est pas consigné, hein. Je suis désolé. Ah. Une caméra comme si y avait un autre personnage. Adolov Games. Adolov. On présente le corbeau qui vole. Oh, il y a trois acteurs, donc il y a plusieurs personnages déjà. C'est un peu fort peut-être le son du jeu encore. Après c'est le générique, on va dire que c'est tolérable là, si c'est pas fort comme ça tout le temps, mais... Cette caméra qui est comme ça là, c'est un peu énervant, moi ça m'agace. Ouais, ils étaient assez fiers du corbeau, je suis assez d'accord. Hop hop hop. Investigator, hein, le nom du jeu, mais c'est écrit un peu partout dans le titre, dans la catégorie. Ah, j'investigue du coup. Alors je sais pas trop ce que je dois faire. Hein. C'est le même orage que dans Zelda. Un ballon. Ça c'est un signe. C. Pourquoi je dois m'accroupir quand je vois un ballon ? Foutez de ma gueule. Ah, un jeu où on voit ses pieds. Pourquoi on m'a dit... Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Ouais. Je suis pas sûr que c'est un grand intérêt. T'as un genou gauche un peu tordu. En tout cas, je me tiens tout le temps avec la même jambe devant. Ça... Ça on peut pas le nier. Bon, on cherche un abri parce qu'il pleut, hein, c'est ça le lore. Et on veut pas mourir de froid. La première cabane était bien pourtant. Alors évitez de faire des trucs qui font trop peur. Marchand pas chassé. Bah dans le jeu vidéo, un peu tout le monde. Alors moi je vois un tracteur, j'appuie. Mais pourquoi la caméra elle tremblote tout le temps, c'est extrêmement énervant. Ah, mur invisible. Là il y a une cabane. Alors je vais pouvoir me réchauffer ici j'imagine. La serrure semble être bloquée. Il y avait une fenêtre. Ou pas.
Je suis un homme crabe, c'est ça le lurk? Oh, et vous, vous êtes si nombreux. Même pas, t'as préparé un overlay qui fait peur. Bah Isaac, ça fait hyper peur. Hein. Ça marche, coquillette, et merci encore pour le raid. Et bonjour, panda. Les hommes crabes. Parce que c'est moi qui tremblote, ouais, mais quand la caméra elle est de derrière... Bah regardez, là ça c'est moi, ça bouge pas. Par contre, le caméraman, le Lakitu, il doit avoir très très froid, lui. Je parle du Lakitu, vu que c'est le caméraman de Mario 64 qu'on a fait vendredi. Super Mario... Oh, il y a du feu! Il y a une lumière! Ah, c'est bon signe! C'est peut-être pas des cannibales! Attends, je sais pas où on est. Ouais, cette maison-là, pas ouf. En tout cas, on aura plus chaud près du feu. Si c'est un feu. Je regarde quand même. Ouais, il est, si en plus il y met pas de bonne volonté. Je suis désolé. J'espère que vous avez bien avancé sur Sherlock. Chez Coqui. C'est rigolo, c'est un jeu que j'ai... Enfin, j'avais acheté un pack avec beaucoup de Sherlock. Il y en a beaucoup qui sont bons. Moi j'avais joué à Nemesis dans ceux qui sont... C'est peut-être sorti un peu après Nemesis. Horreur et moins d'un euro, la trinité du bonheur. Mais oui, ce qui est bien avec les jeux russes, c'est qu'ils sont pas chers. Alors même si vous les trouvez pas ouf, eh ben au moins vous avez pas trop payé. Bon. Vous pouvez pas être déçu d'un jeu que vous avez payé. Je sais pas combien je l'ai payé, mais à mon avis, il a raison. C'est quoi ça? Je regardais le chat. J'ai dû le payer moins d'un euro, effectivement. Bon, je regardais le chat, mais il y avait une biche. C'était pas un tigre. Bon, il y a de la lumière, il y a du bois de chauffage. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Succès déverrouillé de Joker. Super. Ah, bah pas très solide cette porte. Bah du coup pour faire caca, c'est pas ouf. Là il y a une construction mais ça a l'air abîmé. Là il y a de la lumière. Pourquoi on voit rien? Il y a un truc qui fait peur dedans? Il y a même un poteau électrique. Il y a des nains de jardin partout. Ah ça... C'est dans Derrick les nains de jardin? Dans Derrick, il y a certainement un épisode avec des nains de jardin, je sais pas. Ou meurtre dans un parterre de fleurs, à côté il y a des nains de jardin? Là, je sais pas. J'ai pas l'info. Il semble y avoir personne dans la maison. Pourquoi j'y crois pas? Pourquoi j'y crois pas à cette histoire? Ah, la lumière, c'est juste le reflet de la lampe là? Casse une vitre, bah je peux pas faire grand chose hein. Ah là-bas, il y a une autre lampe. Mais en fait c'est une ancienne vraie ville parce que je vois il y a encore des poteaux d'éclairage, il y a des trucs. Moi je croyais que j'étais en pleine cambrousse mais en fait là on est au Touquet en fait. Pour du vrai. Creuse sous la maison, bah on va aller voir celle-ci. On va piquer la bagnole, les routes ont l'air hyper praticables. J'ai peur. On n'a pas affaire à un élève, mais qu'on a affaire au professeur. Quand l'armée monte une opération qui ne doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel. Pour entraîner les troupes, d'accord? C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Et merci Emerald pour le resub et de boire un bidon d'essence pour pisser sur mon feu de camp. Merci d'être un professionnel. Alors. Tu dois faire quoi là? Je suis perdu. Bah je sais pas.
A priori, il fait froid, il faut que je me réchauffe. Pas trop d'idées, je sais juste que c'est un monde post-apo. Bon, là, l'intérieur est mappé, donc on doit pouvoir rentrer dans celle-là. Je sais que ça fait peur et qu'il y a des cataclysmes climatiques. Donc la météo va être changeante selon les niveaux. Allô ? Allô ? Il y a quelqu'un là dans ce sac de couchage. Ou alors vous l'avez amidonné. Mais qui amidonne ces sacs de couchage ? Personne. Et ça c'est pas des vrais animaux ça. Je fais un petit tour, je dors pas ici. Vous avez du fromage ? Bon, y a du bruit, mais c'est le bois qui travaille, ça. C'est quoi l'interaction que je peux faire ? Ah ok, c'est avec le truc en général, y a rien d'utile, quoi. Les poches bourrées de pesos, ce type-là est un professionnel. Bon, on va regarder ce qu'il y a là-dedans, mais c'est pas normal, hein. Ah non, il dort. Succès déverrouillé, on a trouvé un endroit, on dort, on a gagné. Jusque-là, ça va. Mais il s'est rien passé, hein. C'est un jeu qui fait peur, mais il s'est rien passé. Ah. Des petits bruits. On se réveille pas au même endroit. Écoutez, je vais monter le son chez moi. Ils sont comme ça en Russie, les sacs de couchage. Ok, bon. Ah non, level 2, hein, c'est bien écrit level 2. Alors on sait pas pourquoi on se réveille là. J'ai envie de vous monter le son pour que vous en chiez autant que moi. Voilà. Faut que tout le monde en profite aussi. Vous savez, streamer, c'est avant tout partager. Bah, c'est pas le même endroit. Comment ça, pas au même endroit ? Bah, Carodus ! Oh, je fais un boucan quand je marche sur le tapis. Est-ce qu'il y a quelque chose de bien à la télé ? Bah, y'a pas de télé. Je saurais pas dire parce que là, la télé, c'est pas ouf quoi. Ma vitesse a baissé, même quand je cours, je suis... Il se passe quelque chose à l'étage, mais vous inquiétez pas. Je vais me laver les mains. Je vais me laver les mains. C'est le bois qui travaille, bah oui. Даже не хочу знать, что там. Je veux pas savoir ce qui se passe. Bon, ça, tu veux pas savoir ce qui se passe. C'est peut-être important. En tout cas, je pense que... Au moins, on a plus froid. Bizarre, cette porte avec une rainure, là. Je vais par là, moi. Non, je vais aller par là, finalement. Ils font du bruit, les voisins, en déménageant. Alors, je vais pas aller par là. C'est quoi ça ? Pourquoi il y a un type qui apparaît et il y a rien en fait ? On aurait dit un bug plus qu'un truc qui fait peur. Tu recommences pas hein. Ok, l'ombre qui s'en va. Yo ? Monsieur ? Vous avez oublié des... Vous avez pas éteint l'évier là ? Monsieur ? Ça vous dérange pas si j'urine ? C'est juste screamer. Pas très sympa hein. Ça va les oreilles pour vous ? Faut pas faire pipi dans la baignoire. Monsieur, vous êtes déchiré ? Oh là là, on va prendre des screamers dégueulasses. Du coup là-bas c'est ouvert maintenant. Кто-нибудь скажет мне, что здесь происходит ? Il a dit do it splish cause splished. Quoi? Ça va là?
Vous allez arrêter de déplacer les meubles pendant que... Pendant que je me retourne? C'est pas très cool. Écoutez, je dis pas que je crois pas votre histoire, peut-être que je la crois. Je la crois pas. Merci pour les bits. Appartement insalubre dans Paris Simulator. Mais je suis où là? Je suis arrivé où? Je dis pas que je crois pas à votre histoire. Très réaliste. Cherche colocataire. Cherche colocataire dans le 18ème. Il y a beaucoup de place. Avec grenier dans la cave. Moi quand j'ai loué, eh ben, c'était, ils disaient que le grenier était dans la cave. Alors nous dans le nord on appelle ça une cave. Mais eux ils ont grenier dans la cave à Paris. T'es dans Paris. Ah, ça ressemble hein. Tous les potes sortent de derrière les meubles. Surprise! Si vous saviez à quel point je flippe moi pour pas grand chose. Même à la maison quand on me parle et que je m'attends à ce qu'il y ait personne, je sursaute quoi. Le jour où quelqu'un me fait surprise pour un anniversaire, mais je vais crever. Hein. Là, on nous explique qu'il faut sauter. Raté. Presque. C'est le 15ème, tu penses, là? Ah, merde. Mince. Et voilà, les réservoirs de... les stocks de la poste à Clichy. Porte de Clichy. Oui, on vous a vu, monsieur. Non, mais mon colis a été livré. Super. C'est un jeu comme ça, du coup. Je cherche mon colis Amazon, j'étais pas là. Zargulov qui essaie de ne pas mourir. Vous pourriez m'aider? Ça marche, Armac. Écoutez, 1200 euros par mois, ça fait peut-être un peu beaucoup, surtout avec 3 mois de caution. Vous croyez pas? Ah, vous dites que ça a été refait complètement. Je vois ce que vous voulez dire. Ah. Ah, de la lumière, voilà. Voilà une bonne base. Bah si tous les meubles qu'il y avait depuis le début du jeu, on pouvait les fouiller comme ça. J'ai trouvé des batteries mortes. Wurst, c'est des saucisses en allemand. Je veux les saucisses. Bratwurst. Bon bah a priori j'ai pas le droit de prendre les saucisses. Ah, c'est bien foutu comme jeu. Hein. J'arrive même pas à refermer dessus du bas. C'est une lampe ça, Wurst? Aftershave. Si c'est de l'aftershave, j'en ai pas besoin. Oui, alors moi j'avais lu que c'était horreur, mais pas trop. Ben quand même. Je suis pas un habitué de l'horreur, il y en a assez pour moi on va dire. Bon, je vois pas à quoi ça sert mais j'ai trouvé une pile morte quoi. Monsieur ? Danger ? Oh c'est de l'électricité. Mais j'imagine qu'on va pas se faire agresser. Genre ça va faire peur tout le temps mais... Thank you.
Думаю, это мне пригодится. Quoi? Je sais même pas comment on utilise l'inventaire, mais... Ils ont un autre barème de l'horreur, les Russes, peut-être. Donc ça, c'est pour faire peur. Ça cache la caméra, non? Non, ça... C'est-à-dire, ça me forçait à changer l'angle de vue. Ça marche. Oui, t'as raison, Maléo. Ouais, le concierge de l'immeuble ou le syndicat. Oh, c'est compliqué, les syndicats d'immeubles. Hein. Je préfère même pas les trouver, moi. Bah voilà, ça va mieux ici. Elle est sacrément grande cette cabane, ouais, je... Oui. Ah, mais si on va là, on peut pas ressortir. J'imagine que c'est tout le principe du truc, en même temps... C'est pas moi qui ai retourné la caméra. Allez, bisous, hein. Ne dérange pas. Il y a un mec là-bas au bout. Je déteste les araignées. Bah ça tombe bien, moi aussi. Hein. Ah... Ça va mec, t'es parti, l'araignée aussi? Bah voilà. Bah voilà, tout va bien. Tu retournes jamais dans un couloir sombre. Ouais, c'est un peu la base de... Ça m'a changé la caméra tout seul. Tout à l'heure, il s'est faufilé dans un truc moins large que ça, et là, y a plus personne, quoi. Yo, Mister Gège. Y a pas où je vais, là. Il fait flipper ce bruit là, enlève-moi ce rideau là, ça me goûte. Toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui marche à côté de moi. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais... J'ai pas compris. J'ai ramassé un bout de tuyau, c'est ça? Pas clair. Et ensuite... Ensuite je m'en vais? Ouais. Là je contrôle pas là. Succès déverrouillé Killer Spiders. Ah c'est ça que je suis allé retrouver. Gros gameplay, bah oui. À l'aide. Ah la Russie. Mais je voyais, j'imaginais ça plus d'endroits en extérieur en fait, parce que le jeu, il explique en fait les ambiances sont différentes parce qu'il y a des cataclysmes climatiques, je sais pas quoi. Et là, bah ça fait, enfin on est en intérieur depuis un moment là.
Et du coup le climat... Le climat, c'est peut-être pas ce dont on profite le plus depuis tout à l'heure, quoi. Je dis ça, je dis tout. On peut pas monter sur le train. Ne t'en fais pas, elle est morte. Je déteste les araignées. Hein. Je déteste ça, mais en fait, je trouve que leur skin, elle est... Ah bah, forcément, je vais flipper, hein. Sans... Mais je trouve que leur skin, c'est... Elles font pas hyper peur. C'est pas très bon pour ma tension, désolé Zargo. John Cut qui trouve le cut. Non. Je veux la poursuivre. Tu pourras pas me faire peur si je te cours après. Quoi? Ah, étoile d'araignée devant, du coup on voit rien. Regardez l'astuce. Du coup on se les prend toutes dans la gueule quand même, en termes de RP, mais au moins je vois quelque chose. Bon, on va finir par tomber sur l'araignée, hein. Succès déverrouillé, Dream. Il y a un méchant, là. Enfin, un méchant, il y a quelqu'un. Ah, je veux pas de problème, hein. Ah, je voudrais juste comprendre qu'est-ce que je fous, là. Pas jouer. J'ai trouvé le concierge, je pouvais pas jouer, hein, donc...